go! Ready? Ouais, je vais faire une folie là. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au Gain Retour, enfin, ça fait plaisir. Cette vidéo est sponsorisée aussi par NordVPN, donc on reviendra là-dessus un peu plus tard. Et là on est au premier spot, on va découvrir un peu le truc, nous on connaît pas. On est dans l'Hérault, mais c'est un spot qu'on n'a jamais fait. Et il y a plein de monde, il y a vraiment des mecs qui envoient du lourd, bah, y a un peu toute la crème du cliff diving français et européen et mondial, parce que il y a des Américains aussi qui sont là. Le Gain Retour, c'est un événement qui a été créé par Enzo de French Cliff et qui rassemble de plus en plus de mecs qui font du cliff. Et du coup, il y a de plus en plus de monde, ça fait du bruit. Et c'est stylé parce que chaque fois, c'est en France. Et nous, c'est la première année où on participe. Donc il y a du fond partout, il faut quand même bien checker à chaque fois. Avec une multitude de hauteurs, l'endroit est magnifique. En fait, il y a une Via Ferrata sur la falaise. Tu penses qu'il y a combien là? Bah franchement, d'où ils sont là, c'est très haut. Il y a 35 mètres. Ah ouais. Là il y a 33 là. Donc il a dit 33, je dote pas à 33. Mais là on a trouvé un 28,5. Mesuré là, on vient juste de le mesurer. Et comme il a dit, ouais, ça part direct. C'est d'autres ou rien. Ouais, bah je l'ai croisé de toute façon. Donc, T'as les croisés donc tu peux pas faire de droit. Non, c'est dangereux pour le genou. Alors que le dot ça va parce que je suis pas en extension. Je suis genre tout dans le muscle. Comment ça se fait que tu te fais pas mal quand tu fais ça? Pour protéger le haut du corps d'abord, bien perpendiculaire, et les jambes, tant pis, ça prend des bleus. Et la tête, c'est le plus important, entre les bras. Ça part en quoi, BG? Un petit bac pour commencer sur 23 mètres. 3, 2, 1... Il vient de faire 28 mètres en dod, c'est-à-dire qu'il part en gros plat et au dernier moment il rentre comme ça. Ça fait alors juste 2 ans qu'il fait des dods, il est trop chaud. Et tous les gars, ils ont fini de sauter ici. On va aller à Isansac, qui est un spot bien stylé dans l'Hérault aussi, un pont qu'on a déjà fait. Mais pour le sunset, ça va être stylé et puis on va pouvoir camper là-bas. Camper avec tout le monde là, ça va être vraiment trop stylé. En fait, ce qui est trop bien dans ce genre d'événement, c'est que bah, tout le monde se rencontre, tout le monde fait connaissance et c'est ça qui est trop cool. Il y a déjà des mecs qui sont chauds. Tout le monde est chaud là. Tout le monde est chaud. Ouais. Ouais. Oh oui. Cool.
Nouvelle journée, ça va envoyer du lourd là. Je sens que on va faire les spots classiques de l'Hérault. Et vu les machines qu'il y a, il va y avoir du lourd. Ouais, c'est mon chou. Comme on vous l'a dit, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une appli que tu peux installer sur ton téléphone ou sur ton ordi pour sécuriser ta connexion quand tu es à l'étranger et que tu veux te connecter sur par exemple des wifi publics. C'est très simple d'utilisation parce qu'avec la connexion rapide, vous êtes instantanément connecté au serveur. Il y a plein de serveurs dans le monde et vous pouvez être jusqu'à 6 sur le même compte. Bon là, il fait tellement chaud, même si on vient de se réveiller, on va quand même aller se baigner un petit peu, on descend à la rivière. Pour nous, c'est très pratique en voyage. Que quand on taffe dans des bibliothèques pour upload des vidéos sur internet, on reste hyper longtemps sur un serveur public et du coup ça nous protège. Et pour vous, ça peut être aussi pratique pour accéder à des films et des séries qui sont pas disponibles en France sur les plateformes de streaming. Grâce au protocole Nordlink, ça ralentit pas votre vitesse de connexion. Et pour 2 ans d'abonnement, vous avez un mois offert avec le code promo WizzyGangVPN. Ça représente à peu près le prix d'une tasse de café, du coup c'est pas très cher. Et au moins votre connexion est sécurisée et cryptée et vous ne ferez pas pirater vos données. Vous avez un mois pour être satisfait ou remboursé. Donc n'hésitez pas à aller checker le lien en description et en commentaire épinglé sous cette vidéo. Merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo. Ça nous permet de continuer à faire des voyages et de financer un peu nos projets, donc merci à eux. Bon, là, on va rejoindre tous les gars du Gainer Tour qui sont déjà sur un spot en train de sauter. Bon, on est déjà venu ici, c'est le spot de cause de la salle. Mais là, cette fois-ci, on est avec des grosses machines. Du coup, ça va envoyer du sable. On a hâte de voir ça. On est en direct depuis le Gainer Tour. Day 6. Je me suis dit pourquoi pas passer au Wizzy, tu vois. Comme d'hab, il y a Jérémy qui va faire une dinguerie là, il est en train de se concentrer. Allez Jérémy. 2, 1, c'est nul. Oui. Bon là ça va partir au 23, je vais suivre les gars. C'est un truc où il y a un peu d'escalade, du coup ça va être un peu sketchy. Oh, c'est lui qui a attendu pour monter. Ouais, mais il va dormir 6 heures le bonhomme. 3, 2, 1, c'est net. Allez. 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 Okay. Bon, maintenant c'est à moi, je vais partir sur le petit 22 là. C'est marqué, il y a la petite je sais pas si vous voyez, mais
Les gars, ils ont coulé une petite dalle en béton, bien déter, comme ça, ça fait un envoi parfait. 3, 2, 1, let's go! We're gonna do the crane, but there is a few rules. So we have to make it really fast. We're gonna have like 30 minutes maximum to jump the crane. We're gonna have a maximum 15 people to do it. Only people that are sure what they're doing. Bon là on est de retour à la grue mais avec du beau monde. Il y a des mecs qui viennent de plein de pays qui vont envoyer des grosses dingueries. Du coup on va faire comme l'autre fois, on va remettre la grue dans le bon sens. Et comme ça on va pouvoir assister au spectacle. Nous on va pas sauter aujourd'hui mais on va se régaler les yeux. Le truc là c'est que la dernière fois quand on l'a fait, on a juste sauté à deux. Et là il y a genre je sais pas Enzo combien de personnes qui veulent sauter. Je sais pas, au moins il y a 15 personnes qui vont sauter. Putain, mais il y a au moins 25-30 personnes qui vont venir regarder. Après on vous encourage pas à refaire ce truc là. Tous les mecs qui sont là c'est des mecs très 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 chauds qui sautent depuis des années. C'est des mecs qui savent ce qu'ils font. Nick, you want to go first? Jeremy will go first and then I'll go after him. Okay, okay, that's good. Let's do it. Ça passe! Mais il y a tellement de mecs! Il y a encore 1, 2, 3, 4, 5! Ready! Ready! Ça va les gars? Non, je suis pas serein là! Là, j'ai les genoux, il faut. Ouais, je vais faire une folie là. Ok. Allez, je viens. 2, 1, stand up! Non. 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 Oh non, c'est un monstre. 1, stand up! C'est tellement beau, mais c'est incroyable les gars. Je suis au spectacle, putain, je suis au spectacle. Gainer Master. 3, 2, 1, stand up. Stand up. Oh putain. Oh gros. Oh putain. Il a fait ce retour là. Oh, il a fait trip. Ah le fou. Bon les gars, c'était incroyable ce qui vient de se passer, on n'en revient pas avec Flo là. On était tous les deux, il y a genre une quinzaine voire une vingtaine de mecs qui sont passés là. C'était fou. Franchement, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Tous les mecs que vous avez vus, ça fait des années qu'ils s'entraînent, c'est juste des machines. C'est des gars qui font ça depuis des années. N'essayez pas de refaire ça si vous n'avez pas la capacité. Il faut faire vraiment les choses crescendo et je vous mets en garde parce que là, cette vidéo là, elle aura beaucoup de visibilité. Donc c'est important de mettre tout le monde en garde. J'espère que vous avez quand même kiffé cette vidéo. On se voit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Putain, c'est des singeries qu'on vit. Achetez nos vêtements les gars. Ciao.